Entre le pouvoir et Ousmane Sonko, tous les coups sont permis. Le leader de PASTEF et de la coalition, Yewi Askanwi, force opposant du régime de Macky Sall, ne manque jamais l'occasion de déverser sa bile sur les pontes du gouvernement. Et ces derniers ne manquent jamais l'occasion d'essayer de le discréditer. Mais, chose étrange, Ousmane Sonko n'a jamais tenu le moindre mot désobligeant envers le leader de l'APR, Amadou Ba, et vice-versa. Comme l'a constaté Sénégal 7, Ousmane Sonko et Amadou Ba continuent de s'épargner. Même lors de cette campagne des législatives qui annonce une bataille ben noyée, les deux leaders opposés ne s'égratignent pas. Ousmane Sonko, qui a menacé de traduire en justice les dignitaires du régime une fois portés au pinacle, n'a jamais utilisé ses menaces contre Amadou Ba. De son côté, l'ancien ministre de l'économie et des finances semble lui rendre la monnaie en n'attaquant jamais l'ancien inspecteur des impôts et domaines. L'on a comme impression qu'un accord entre eux a été paraphé, ou du moins théoriquement. Les deux personnalités ont cheminé ensemble à la direction générale des impôts et domaines, où Amadou Ba, nommé, occupait le poste de directeur général. Réputé richissime, cet ancien collaborateur de Wad avait fini par s'allier à Macky. Mais quand Sonko menace les détourneurs publics, il n'a jamais cité Amadou Ba.